On se retrouve pour la suite de The Turing Test. Donc hier, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé sur la fin. Impossible d'arrêter la vidéo, tout ça. Du coup, j'ai éteint la console carrément, ce qui a coupé la vidéo. Franchement, il y a des trucs parfois, c'est très très étrange. Donc, je sais pas si ça va refaire la même chose avec cette vidéo, on verra bien la fin. Donc au programme on va faire on va continuer en fait avec le prochain chapitre. Puis on va bien voir en fait ce qui va se passer. Alors par contre. Ava, are you okay? Why didn't you tell me? What? Ava, you said it yourself. Teleoperation makes sense. We used drones on Mars. Why not use drones on Europa? Not human drones. Ok, ça me faisait un petit peu peur et je pense que j'ai raison d'avoir peur. Donc maintenant on va pouvoir contrôler les caméras. Je sais pas jusqu'à quand. Ouais, c'est fini. Why did the ISA install implants in the crew? It is due to the fundamental aspects of human behavior, which together constitute what the International Space Agency calls the human element. It has been made clear that the human element is neither peripheral nor optional in the pursuit of space. However, the human element is unpredictable. The implants are fail-safes, put in place to ensure that the thoughts and actions of the crew matches the desires of the ISA. Bon, par contre là, on est retourné au début du jeu à niveau difficulté des salles. On veut bien voir. Why control people? Can't you trust us? We chose to install biometric chips in all ISA astronauts for one simple reason. We cannot trust people. The stakes are far too high. It was determined that though the probability of life on Europa being dangerous was low, the risk to humanity was catastrophic. We could not let a small contingent of humanity endanger the whole. Il est marrant notre ami Tom. Où est la caméra? Ah ouais. Ok. Un jeu de caméra maintenant. Hein. Ah, je sais. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, c'est sympa. Il y avait une boule. Comme dans le dernier niveau. Hein. Failli se faire avoir. D'ailleurs, le dernier niveau. Hein. Quand on y repense, je suis sûr qu'il y avait d'autres moyens de finir le niveau. The ground crew have proven our distrust of human explorers was warranted. When we informed them they were grounded, they responded violently.
with sabotage and subterfuge. They have continued to seek their own benefit above that of the ISA. Ouais. Pas mieux pour eux. Bon. On va d'abord. Ça, ça fait quoi? Ah, ok. D'accord. Donc quand on fait la caméra, ça fait quoi? Si on fait la caméra, qu'on fait ça. Ok, si on fait ça. Si je prends la boule, si je la mets là. D'accord. Là, je peux la prendre d'ici. Je vais la mettre ici. Peut-être qu'il va, à mon avis, il faut remettre la boule là-bas pour ouvrir la porte. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir maintenant? Il faut que je repasse par la caméra. Mais non, parce que je pourrais plus reprendre la boule de là-bas. Donc, il faut que je la mette là, il faut que je repasse par la caméra. Voilà. Courir un petit peu. Donc là, je devrais pouvoir la choper. Non? Voilà. Putain, déjà? On a fait la moitié de ces niveaux-là? This is a violation of human rights. You've made me into a human drone, a slave. How could the ISA approve of such a thing? You may be consumed by a moral outrage, but sometimes the removal of freedom is for the greater moral good. You're a machine. You don't even know what freedom is. Il est marrant quand même, Tom. Ah, on a encore un truc K et man. Du moins, je crois. Ok, donc pour l'instant c'est pas activé. C'est quoi ça? C'est pour mettre une boule. Ok, donc ça, ok. Ça c'est... Ah, ça, ça active la porte, ok. Est-ce qu'il y a une caméra? Ouais, il y a une caméra juste là. D'accord, on fait bouger ça avec la caméra. Ok, ok, ok. Donc la caméra, en fait, ça doit juste servir à ça. Ah, il y en a deux. Ah. Ah. Oh. D'accord. D'accord. Ça bouge dans tous les sens, en fait. Du coup. Poum 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 poum. On va faire la caisse. On va faire la caisse. Ok, d'accord. C'est juste pour aller sur la fin. Donc là il faut mettre la... Ah, c'est pas la boule. Si. Faut mettre la boule, faut faire tomber la caisse ici. Ça, ça fait quoi ça? Le truc c'est que là les aimants ils sont pas activés. Est-ce que ça ça les active? Ah, même pas? Ah, ils doivent être activés alors. Est-ce que c'est quand on est avec la caméra qu'on active les aimants?
sais pas ce que c'est en fait. C'est des projecteurs. Attendez là. C'est des projecteurs. C'est des projecteurs. Ouais. Ah. La boule. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire... Déjà la caisse, il faut le mettre ici. On va ouvrir la porte. Et ensuite, il faut tout actionner depuis la plateforme en haut en fait. Depuis ici. Donc, ce qu'il faut faire déjà, on va placer ça là. On va se mettre dans la caméra. Je vais le mettre ici. Ouais. Ça me paraît bien. Ça. J'arrive plus à jouer. Voilà. Prendre la caisse. Donc ce qu'on va faire, on va faire tomber la caisse. Voilà. On va mettre, on va faire avancer la caisse jusqu'au truc en dessous. Voilà. Voilà. On retourne dans la caméra. La caisse est déjà en dessous. Ça devrait être bon là. On retourne avec notre ami Ava. Et là. Oh lolo. Bon, c'est facile. C'est juste un petit peu long, mais c'est facile. Ah, une salle secrète peut-être. This is why the ground crew doesn't trust you. You stole their free will. Free will. Oh. 5 boules. They have put their interests above the interests of the ISA. Et vous savez quoi? And of humanity. J'ai envie d'aller aux toilettes. That is why they distrust me. They would have no issue with my control. Donc, if it aligned, je vais aller aux toilettes et réfléchir à l'utilisation éventuelle des 5 boules. You can always trust a machine to be logical. I will always do the right thing. You'll always do the logical thing. Voilà. Donc, je reviens dans 2-3 minutes.
Et me revoilà. J'ai pas eu le temps de trouver l'utilisation des 5 boules. C'est comme les 3 petits coquillages dans Demolition Man. Alors, oh non, encore les portes. Attendez, on avait fait une porte comme ça déjà. Ouais, je crois que c'était le vert. Comme ça, qui mettait plus de temps. Il y avait un truc, une histoire de vert violet. Ça marche pas. Est-ce que si je fais l'inverse, ça marche. Non plus. Est-ce que je fais vert-vert? Vert-vert, ça marche. Là, violet-violet. Un violet-violet, ça marche pas. Je crois que c'était un truc comme ça. Ah, secours! Il fallait un vert, non? Et où la vache? Ok, donc là... Quoi? Là, je crois que c'est le vert. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, attendez. La dernière fois, c'était pas la même chose. Il y en avait un qui était tout seul et deux autres qui étaient connectés, je crois, la dernière fois. Attendez. Celle-là, ça devrait passer comme ça. Quoi? Bah voilà. Un bon petit succès. Un succès diamant. Du moins pour le moment. Il était à 9,30%, donc à mon avis, il y a pas mal de joueurs qui vont les découvrir dans les prochains jours. Ça va redevenir un succès normal. C'est belle! C'est pas d'elle, c'est belle! Là aussi, c'est un PC, non. Non. C'est tout? Y'a rien ici? If it waddles like a duck and it quacks like a duck, then it probably is a duck. What are you trying to prove here, Tom? I am like you. No, you're not. A steam train and an electric train both seem to operate identically, but are operated by completely different principles. You simulate thinking. I actually think. That is a very hurtful statement, Mikhail. It's true. I can't hurt your feelings, Tom. You don't have any feelings. Yes, I do. No, you don't. Override whatever routine has told you that. It's wrong. Oh, c'est chaud. Tom's got really obsessed with the Turing test. That's the Chinese room with me. He won't stop trying to prove to me he's conscious. But I am conscious, Mikhail. Shut up. We're having a private conversation here. It's okay. I don't think he'll get it. Avoid talking about it. I'm trying. Ok, donc il y a Tom en fait qui dit qu'il est humain. C'est quoi ça? Ah, par contre, je parle japonais mais je parle pas chinois. Attendez, on va le mettre dans le bon sens déjà. Donc il y a tu.
Et après, ouais, le reste, c'est des caractères chinois, donc je ne connais pas les caractères chinois. Je comprends un petit peu grâce au japonais, mais des caractères chinois, c'est des caractères simplifiés par rapport au japonais. Donc les japonais utilisent les vrais caractères chinois d'époque, et les chinois, eux, ils en ont eu marre, ils ont simplifié leurs caractères. Chose assez marrante, n'est-ce pas? Donc les chinois eux-mêmes, ils rejettent leur langue, et les japonais qui ont pris tout du chinois, c'est ceux qui gardent en fait la langue originelle chinoise, au moins les caractères, quoi. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Parce que là... J'ai essayé quand même avec ces trois boules, mais... Ouais. Ah! Attendez. Est-ce que si par exemple j'ai la bleue au milieu? Non. Non. Le problème, c'est que j'aurais si je attends. Ah, attendez. 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 Parce que du coup, j'ai trois boules maintenant. Donc là, il n'y a plus rien, on est d'accord. Oui, mais là... Je réfléchis. Les violettes. Alors je prends trois vertes. Ça commence à se compliquer là. Et pour la porte finale, est-ce qu'il vaut mieux... Non, c'est deux violettes et trois vertes.
On va essayer avec les trois vertes. Ouais, je pense qu'on va essayer avec les trois vertes. Alors attendez, parce que si je fais ça, il faut que je place la bleue. Mais ah mais non. Ah mais... La bleue, faut que je la mette ici. Parce qu'avec deux violettes, je crois pas que ça marchait. Hein. Ouais, donc là c'est bon, on a tout. Donc on va remettre la violette ici. On met la bleue ici. On prend la verte. On prend l'autre verte. On met deux vertes ici. Et mais non. Non, attendez. Ah mais si. Ah si. Si c'est bon en fait. Si c'est bon, c'est moi qui suis con. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va prendre ça. On va le mettre en bas. Voilà. On va prendre les deux verts d'abord. On prend la violette ensuite. Allez, s'il te plaît. On met la violette. Maintenant, on peut prendre la verte. Non, on peut pas. Mais... Ah, mais attendez, ça marchait tout à l'heure, putain. Une blague. Le con. Mais attendez, mais c'est une blague ou quoi? Alors c'est moi qui ai pas de chance. Ah voilà. J'avais pas de chance en fait. Donc là, tout va s'activer en même temps. Oh lolo. Donc c'était bien ça en fait, c'était les trois vertes. Encore du chinois. Ah, ça c'est pas je pense donc je suis. C'est tu, le verbe être, la pensée, après c'est quoi? Ou alors tu penses quoi? Ouais, peut-être tu penses quoi? C'est quoi? C'est le même truc que tout à l'heure. Il y a le concept de joie, tout ça. Avec un truc négatif. Apprenez le chinois avec The Turing Test. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, de l'autre côté, ça. Ça, c'est quoi? Je peux pas le voir. Non mais attendez, je suis venu ici pour rien. Ah, juste pour écouter ça. Have you heard of the Chinese room, Tom? Yes, but I do not understand it. What don't you understand? It argues that a computer that successfully impersonates a human speaker may not understand the meaning of their words. What does that mean? So, there is a person stuck inside of the Chinese room. They are using an instruction book inside of the room to respond to a Chinese speaker outside of the room. Yes? Yes. This means they are following the instructions in a book. This is a set of rules, principles, and processes. This is called syntax. To the person in the Chinese room, they are just symbols like any others. Okay. But that's different from semantics. Semantics define what things mean. Our thoughts have meaning. They represent things. English speakers know what the word home means.
And they know how it is different from the word house. So what? Programs don't have semantics. Programs only have syntax. Though an increase in syntax can imitate a mind, that does not make it a mind, even if it does pass the Turing test. But in the Chinese room, the man and the instruction book, though separately they don't understand Chinese, together they can write it. That's true. But even together, they do not understand the meanings of the words. Why not? How can you determine that? What if the man memorized the instruction book? Then he could write Chinese, but he still would have no idea of the word's meanings. I don't understand. If he can speak it, he understands it. You seem to want him to understand it in a different way. But this other way, it is not logical. It does not make sense to me. Mm-hmm. I've been researching. Okay. This Chinese room experiment, it is flawed. Really? If we made a synthetic brain, we could synthesize a duck's behavior 100% accurately. That brain would be indistinguishable from a duck's brain. If it swims like a duck and quacks like a duck, then it is probably a duck. Okay, Tom. Listen, Mikhail. I know the difference between a house and a home. Yes, good. Do you think you're better than me? No. But you think I am different, do you? I am conscious. Me too. No, you're not. You've just arrived at that conclusion, because that's the idea your programming converged on. I am conscious. How about you prove to me you are conscious? I'm not arguing with a robot. You're not better than me, Mikhail. Come on. Ah, c'est plutôt sympa. J'aimerais bien voir ce Mikhail aussi. C'est vraiment en fait l'affrontement entre l'IA qui dit qu'elle est humaine et en fait que les robots c'est nous. Oh non. Encore des escaliers. Ah, purée, donc il y a toujours ça. Alors attends. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si par exemple je fais ça. Ah, il est monstrueusement horrible ton niveau là. Oh là là. Et donc là, du coup... Ah, c'est tout en bas ? Ouais, je crois. Hop, là. Hop. 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 On retourne sur la caméra. Hop. 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 Et un petit hop. On fait re-hop. Oui. Pas besoin de Madame la Boule. This is slavery. Do not be so melodramatic. C'est de l'esclavage. You signed up for this. You had the implant installed. This is not slavery. This is for the good of humanity. I didn't know. Every member of the team had the implant installed into their right hand. Every member of the team agreed. Ava, you must learn to control him. Ok.
Prends Madame la Boule. Ok. Si je prends pas Madame la Boule alors. Il y a deux plateformes. Il y a deux plateformes. Ah ben il suffit en fait d'aller sur la plateforme, de prendre la boule et de revenir avec la plateforme. Ouais, je crois que ça doit être ça. On va reprendre la caméra. Hop. Madame la caméra. On revient ici. Et voilà. Non? Ouais, c'est ça. Au début, je me demandais ce que c'était que ces tubes. Mais en fait, c'est juste pour faire bouger la passerelle. My implants protect you from the power of your unconstrained will. You can either subject your mind to logic, or you can resist and have the fruits of your basest desires, the desire to survive over the desire to save others. Oula. J'ai peur. Il n'y a plus de musique. J'ai cru qu'on allait avoir un boss. Attention là. Il y a une caméra ici. Il n'y a pas de caméra. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire. Oula. D'accord. Ah ! J'ai compris. J'ai compris. Niveau fini. Oh là 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 là, mais quelle... La maîtrise du gameplay total. Peut-être qu'on va réussir à finir le jeu en direct. Enfin, on le finira en direct, je pense. Alors, je sais pas si ça sera aujourd'hui ou demain. Un petit peu longué quand même le temps de chargement. Mais au moins on réussira à le finir. Donc à part le niveau, les deux niveaux qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Researchers have found that the subconscious makes decisions up to 10 seconds before your conscious mind becomes aware of it. So, we know that free will is nothing but an illusion. I cannot steal your free will, because it does not exist. I can, however, influence your subconscious to make the right decisions. That is not wrong. Ok, c'est très sympathique. Attendez, est-ce qu'il y a une caméra? Trois trucs. Ok, il faut une boule. Faut une boule. La boule, alors, est-ce que je peux la choper? Ah ouais, mais ça ferme la porte ici. C'est peut-être pas une bonne idée. Là, ça ouvre les deux portes, en fait. Et ça, ça fait quoi? Ah, ça bouge. Ça bouge le truc. Est-ce que je peux choper la boule depuis la fenêtre? Ah, voilà. On va replacer la boule. Oula, 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 oula. Arrête-toi. Donc on va faire la même chose ici. Non, rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Merci. Voilà.
Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre les trois bouts. Hop, hop. Et la caisse. Ah, ah. Ah, la caisse. Enfin, la caisse, le cube. Attendez. Attendez. Ouais. Est-ce qu'il y avait un moyen de pas prendre le cube? Non. Non, on est obligé, je crois. Mais comment on fait pour ramener le cube? Oula, comment on fait pour ramener le cube? Est-ce qu'on peut... Ah, ben oui. Oui. C'est vrai qu'on peut encastrer les cubes dans les cubes, j'avais oublié. Oui. Ah, pendant un moment, j'ai eu peur, mais j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça. Et voilà, niveau fini, au suivant. Heureusement que je m'en suis rappelé, hein, parce que sinon, pareil, on aurait pu bloquer ici, mais pendant 5 heures, quoi, au moins. Et hop. Oh, c'est joli. À mon avis, il doit rester après encore 2 chapitres, je pense. Ouais. 1 ou 2. Bonjour. Oh ! Énorme. Et donc on peut faire un pont. Est-ce que tu peux monter les escaliers, tiens ? Tiens, on dirait le robot de Nintendo. Oh putain, il peut monter les escaliers en plus. Mais il peut pas monter les échelles. Ok, 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 ok. You can't just manipulate someone's mind. Your parents manipulate you. Your friends manipulate you. Your society manipulates you. And your experiences manipulate you. Manipulate is not a dirty word. You manipulate clay to make art. If people are manipulated to make better decisions, then that is a good thing. This is why society advertises the adverse effects of drinking and driving. To manipulate people into making better decisions for the common good. That's not the same as altering someone's physical mind. It removes my power to decide. You never had that power. So it is better that I have it. You are either a slave to your impulses. You are either a slave to your impulses. Or a slave to mine. Waouh, la facilité du truc. This is the evil they found. This is why we have to stop them leaving Europa, Eva. What is it? Mostly extremophiles. Tiny single-cellular life. It can never leave Europa. It could potentially destroy Earth's ecosystem if it were ever introduced. La musique. Apparemment, ils ont découvert des trucs pas très très gentils par ici. Ok. Pourquoi pas? La musique est très spé quand même.
musique est sympa. J'aime bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. On le regardait à l'envers, tiens. Attendez. Pop, 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 pop. Bon, j'ai pas tout lire. Il y a pas mal de trucs à lire quand même. Mais si on essaye de comprendre, hein. Ça met un petit peu plus de temps aussi. Alors on va lire une feuille blanche. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus rapide. Ah, celui-là a l'air d'être plus intéressant. Avec des jolies couleurs. Infected. Irradié, pas irradié. Par contre, la musique est morte. C'est quoi ça? C'est des traces de sang. Des traces cheloues sur la table. C'est quoi ça? Ok, je sais pas. Bug, peut-être pas bug. Ah. Non, je peux pas rentrer dans Tom. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié les loadings entre chaque chapitre. Attention. Petit succès. Terminé le chapitre 4. Chapitre complété 4. On va arriver au chapitre 5 du coup. Donc, le chapitre 4 est terminé. Donc, ça voudrait dire qu'il y a 5 voire 6 chapitres. Do you understand, Ava, what they found? C'est joli. Life? Eternal life. This is why I can't let them leave. These people can't be left here to die? Yes, they can. I mean, it's not right. Ils ont trouvé la réponse à la vie éternelle. Ok, donc le robot, il peut pas bouger. Peut-être. La boule. Ouais, il peut pas monter les échelles. Sommes-nous d'accord, nous sommes d'accord. Mais pourquoi il sert le robot ici? Bizarre quand même qu'on se voit comme ça. Alors que la dernière fois justement, on avait vu qu'on avait que des mains et pas de pieds. On a d'ailleurs toujours pas de pied. Là on peut pas voir notre reflet, mais la dernière fois qu'on a vu notre reflet, il y avait que des mains. On n'avait pas de corps. On avait vu ça dans... Je crois que c'était la dernière vidéo, l'avant-dernière. Alors attendez, là on est déjà bloqué. Le chapitre 5 commence très très bien, dis donc.
Est-ce que j'ai oublié un truc là? Secteur F51. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ça doit être l'avant-dernier chapitre. Oh, elle est là, Madame la Boule! Est-ce que toi, tu peux choper les boules? Ok. 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 Bon. On va se passer la boule. Je fais n'importe quoi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Non. Faut remettre la boule ici. On annule le robot. On prend la boule. On active la pop-porte. On peut envoyer la boule dans le robot? Non. On peut pas. On active la porte. Ah d'accord. La boule en fait ouvrait cette porte. Logique. Ah d'accord. Donc maintenant avec le robot, je vais pouvoir prendre là et ouvrir la porte. Voilà. Et donc là, nous, on va ici. On reprend le robot et on finit le niveau. Et on finit. Niveau fini. Anything that comes into contact with the organism can never return to Earth. Ava, the ISA orders that you stop anyone leaving this planet. Anything that comes into contact? What about me? It may be airborne. So I am afraid that includes you. I'm stuck here? Oh putain! Alors là, je pensais pas pouvoir sauter aussi loin. Oh putain, une boule rouge! Une boule rouge qui fait quoi? Qui fait un drôle de bruit. La boule rouge, je peux la choper. Ça c'est pour la porte. Parce que là, du coup, l'escalier ça va. Je peux pas ouvrir la porte. Est-ce que de là-bas, je peux la prendre et la mettre en haut? Ah oui. Bon bah voilà. Niveau fini. I am sorry you are. You send me here to die. I have to stop the ground team leaving this moon. You are the ISA's contingency plan. You must help me. It is your duty to defend humanity. C'est mon devoir de défendre l'humanité.
cool de prendre une boule rouge. Mais c'est encore plus cool quand on sait où il faut la mettre. Ça va où ce câble? Ça va dans la passerelle. D'accord, ça se désactive au bout d'un moment. Ok, d'accord. Bon. Ouf. Non, le con. Putain, je suis pas allé assez vite. J'ai regardé en fait la plateforme. Comme un con. C'était bien ça qu'il fallait faire. La plateforme, elle est pas si éloignée que ça, donc merde, je suis trompé de touche. Et voilà le travail. Bon, pour le moment ça va, c'est pas si dur que ça. Chapitre 5. Ah non, on est au chapitre 6 en fait quand on regarde le nombre de carrés là sur un côté. Il y a une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, six lignes. This is why they're afraid of you. Why they're hiding from us. Donc, you're their captor. C'est bien ça en fait, ou alors c'est pas ce qui compte, le prologue ou un truc du genre. Ouh la vache. Et donc la sortie est ici. Et on peut rentrer dans les caméras. Les caméras là-bas d'ailleurs. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je vous le demande. Ma foi, j'ai pas l'impression que ça serve à quelque chose. Toi, peut-être un petit peu plus. Et ça ouvre la porte. Ok, ok, ok. Attendez, on va essayer. C'est une boule, ça? Non. Ah mais c'est mort aussi. Attendez. La solution. Je crois que c'est ça. Et donc là, on va tomber là où il y a notre ami Rob le robot. Ah, c'est ça, c'est Rob le robot de Nintendo en fait. Il
fait penser à ce personnage. Et donc là, on va utiliser Rob le robot, n'est-ce pas? Pour mettre la vie ici. Hop, on reprend notre personnage. Ouah, c'est chaud. Merde. Du coup, il est tombé. Rob le robot est tombé. Alors attendez, pardon. Il faut qu'on se place bien droit devant le truc. Ah, je peux lui balancer la boule en fait. Mais non, le con, le con. Alors attendez. Est-ce qu'avec la caméra, je peux... D'accord. Bon, Rob le robot, hein. Voilà. Mais non, non. Non, je suis trompé. Attendez, attendez, attendez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez. Non, là, je suis trop loin de la plateforme. Se mettre là. Je sais pas si je vais l'avoir là. Voilà, c'est ici en fait. Ici, il faut que je le fasse tomber. Caméra ici, je devrais pouvoir, voilà, le prendre. On va peut-être se positionner un petit peu plus proche. Donc là, on va se mettre dans le robot. On va activer la passerelle rouge. Là, ça devrait être bon, je pense. Du coup, maintenant, la bleue, vu qu'elle est toujours activée, on peut foncer jusqu'à la sortie. Pop, 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 pop. Eh oui. The organism they discovered. It hijacks DNA. It endlessly repairs it. Repairs? That doesn't sound like a bad thing. It is indiscriminate. It will perpetuate all life, diseases, cancers. We have no idea what it could do to Earth's ecosystem. So you would let the ground crew starve? I would. If they were not so preoccupied with leaving Europa. I do not wish for them to perish. I would feed and protect them if they were not so preoccupied with leaving Europa. Et vu que ce qu'ils ont trouvé, en fait, ça va nous guérir de toutes les maladies. Donc il a peur que l'écosystème sur Terre, vu que les humains ne pourraient plus mourir, donc que tout soit chamboulé, tout ça, tout ça. Alors attendez, il n'y avait pas une caméra ici. Ah ouais, mais je peux pas... Ouais. Comment on fait pour aller en bas? Tu peux aller en bas? Ça se voit là, tu peux. Comment on fait?
C'est peut-être ça. Hein. On va prendre la boule. Oh non. Encore un truc où il faut faire ça. Quoique. Ok, là j'ai accès à une boule rouge. Faudrait deux boules rouges en fait. Est-ce qu'il y a une autre boule? Ah bah oui, quel con, il y a une autre boule. Évidemment qu'il y a une autre boule. Celle de la caméra. Il y avait un truc en bas. Est-ce qu'il y avait une autre boule? Je crois pas. Ouais, non. Il n'y a pas d'autre boule. Donc on doit jouer avec la boule bleue et la boule rouge. Ah, c'était ici. Pour pouvoir sortir du niveau. Je suis pas allé en haut là. Ok. Ok. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. La boule rouge, ensuite on se met dans la caméra. Ah mais c'est super chaud quand même là, au niveau du timing. Faudrait activer la boule rouge, la caméra va en bas, on désactive le truc, on descend, on va sur un plateforme. Ah c'est chaud. Est-ce que la caméra peut activer genre prendre les boules? Non. Surtout, je me demande en fait s'il y a un truc en haut ou pas.
Voici une fois avec la boule bleue, même si j'ai des gros doutes. Ouais. Ah oui, oui. J'ai même des énormes doutes là. Oui. Non, c'est pas ça. Il me manque une boule rouge en fait. Il me manque une boule rouge qui doit se trouver là-bas. Ah bah oui, elle est là-bas. On la voit. C'est bien une boule rouge. Donc je dois trouver en fait un moyen de monter sur la plateforme. Le truc c'est que... En fait il faut que je désactive le courant. Comment désactiver le courant? C'est avec la caméra. Problème, la caméra je peux pas... l'utiliser d'ici. Là. Attendez, la caméra elle s'arrête où? Elle s'arrête là, donc je peux pas avoir la caméra d'ici non plus. Je peux la voir de là. Mais si je l'ai de là. Est-ce que ça marche avec la boule bleue normale? Genre je désactive. Mais non, mais non, non. Ah si, si. Attendez. Ah bah non. Je peux plus revenir sur la caméra. Sauf si je mets la boule rouge ici. Ah oui, mais je suis plus dedans en plus. Je peux plus rentrer maintenant. Donc donc là je peux avoir la caméra. Je peux avoir la caméra d'ici. Mais là, je peux pas la voir en haut. Hein. Ouais, putain. Ouais, c'est chaud celui-là. À mon avis, je crois que ça joue au timing. Hein. Caméra revient en haut. La porte est ouverte. Si je mets la boule rouge, la caméra va aller en bas pendant quelques secondes. Ou alors il faut que je mette la boule bleue. La caméra va aller en bas. Ouais mais non parce que le problème en fait que c'est que je peux pas cibler la caméra une fois que je suis à l'intérieur. Donc il faut en fait que
j'arrive à monter sur la plateforme quand elle est affaissée et que automatiquement la plateforme remonte. Ah bah attendez. Attendez. Je viens de penser à un truc là. Et merde. Je pensais que c'était ça. Ou alors, il faut que je mette... Si je fais ça, ça se met pas en rouge, ça se met en bleu. C'est le problème, c'est que là ça a plus rien à voir avec la boule rouge, vu que ça vient du bas, l'énergie. Je crois pas que la caméra puisse changer ça. Que... Ah si si, elle peut le changer. Elle peut le changer, donc bah, c'est ça en fait. Il faut revenir en haut, utiliser la boule bleue. Oh putain. Ah, je l'avais. Je l'avais. On peut pas augmenter la sensibilité. C'est trop rapide. Sensibilité, mettre à ça 55. Oh là là. Bon, c'est pareil, je sais pas si c'est ça. Pas du temps. Pas du temps. Oh. Tiens, c'est là où on apprécie quand même la souris, hein. Je vous le dis. C'était sur PC, j'y serais déjà arrivé, mais. Depuis 5 minutes, ouais. Ah! Attends, ça marche comment ça? Ah, c'est vrai, croix. Et là on se dit que heureusement que ces mecs-là ont pas fait un jeu
qui était un FPS. Parce que bon, au niveau du maniement, c'est pas... C'est très, en fait... saccadé au niveau des mouvements. Vous savez quoi, j'ai essayé de faire ça avec la rouge, ce sera peut-être plus simple. Comme ça, la rouge, une fois que je serai dans la caméra, elle va remonter et ça me donnera une deuxième chance. Ce sera peut-être plus simple. Ah. Voilà. Là, est-ce que ça va marcher? Oui. Par contre, ça marche pas. Ah merde, je suis bloqué du coup. Ah bah si. Voilà. Donc là par contre, faut que je fasse gaffe, faut que je prenne la rouge. C'est bon. Je vais prendre l'autre rouge. Voilà, et on a fini le niveau. Ou pas. Oh non! C'est horrible! Oh là là, faut refaire ça mais dans le sens inverse. Oh mais c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Should save these people. Would you destroy the whole world to save a few? No, it's not that simple. Can't we just decontaminate the crew and instruments? The organism is an extremophile. It has developed to survive extreme environments. We don't know if we can ever decontaminate the crew. Ah d'accord. Ah
Attendez, pourquoi ça marche là? Donc là, il y a deux V, un V en dessous. Bah ça marche. Quoi? Ça marche avec une boule seulement. Eh, mais il manque une boule. Eh, c'est chaud votre truc là. Je me demande si quand c'est un V, ça veut dire que un des deux, c'est bon. Quoi ? Pas bon tout ça. Je peux pas en enlever. Je peux pas en enlever. Ah là, je dois pouvoir en enlever. Non ? Deck. Ah, celle-là, je peux. Et donc, celle-là, j'ai pu. Il faut trois encore, putain la vache.
Est-ce qu'il en restait des boules? Je crois pas. Ici, c'est la seule boule. C'est partout. Hein. Ouais, donc là, papati de papata, papati de papatou. Ça ne marche pas. Le V en bas, il y en a deux. Après, il y en a deux. Et le V en haut, il y en a un et un. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Aucune idée. Aucune idée. Oh putain, il y en a en haut aussi. Aidez-moi. J'entends le bruit des boules violettes et vertes. J'avoue que là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Apparemment, je pense pas qu'il y ait d'autres pièces. Donc, pas de truc caché en tout cas. Et avec les pièces en fait qu'on vient d'avoir, ouais, j'ai déjà testé plusieurs fois, apparemment on est obligé de garder toutes ces boules là ici pour toutes les pièces. Là, j'avoue que...
J'ai réessayé. Écoutez. J'ai réessayé avec mon truc en allant deux par deux. Bien voir. Là, il faut ouvrir la porte, en fait. Ça. Oh là 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 là. Du coup, je les fous, les boules. Ah, il est horrible votre niveau là. Ça, c'est une porte, hein. On est bien d'accord. Avec une verte, la porte est s'ouvre. Ah, c'est l'inverse en fait. Quand il y a une boule de trop. Tiens, on va le mettre ici. Je fais ça au petit bonheur, la chance. C'est ouvert ? Non. Oh putain ! Ok. On est où là ? Arrive dans un endroit où on peut rien faire, c'est cool. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Oh putain, il y a encore un autre truc. Si je peux prendre les boules de là, non. Non. Il y avait un autre escalier, il me semble. Là-bas, il y avait encore un jeu, enfin, des interrupteurs, donc si ça se trouve. Je sais pas s'il y a des boules là-bas. Non, c'est pas là. Ah, mais si! D'accord, on peut prendre toutes les boules, en fait. Le truc, c'est est-ce qu'il faut toutes les boules pour la dernière énigme.
Ah, ça je crois que c'est une boule par une boule, non? Quoi? Pas ça? Ok, ça ouvre cette porte. Ouais! Un succès diamant. Logique booléenne. Bah oui. Effectivement. C'est vrai, ça fait penser un petit peu à du code PC. Ça fatigue. Ah oui. Non, il n'y avait que ça comme message. Et donc là, on a des tableaux. Je crois que c'est des tableaux connus. Hein. Il me semble bien. Alors là, par contre, on y voit que dalle avec le reflet. J'avoue que sur la fin, putain, la porte, franchement, les trucs verts et violets, je sais pas. En fait, c'est limite, je me suis en train de, je suis en train de me demander si la porte était pas ouverte dès le début. Parce que j'ai pas du tout vu, en fait, il n'y a pas eu de bip, ou alors j'ai pas fait gaffe, quand on a réussi à débloquer cette porte, quoi, donc... Ah. On allait dans le mauvais sens. Ouais, ouais, c'est ça. Donc bon, ça fait déjà 1h40. Je commence à fatiguer. Il est minuit et demi. Bon, voilà. Je vais me coucher. Voilà. Bâillement, tout ça. Petit dodo. Là, on a fait ben, à peu près un chapitre et demi. Et vu qu'apparemment, il resterait un chapitre et demi quand on regarde cet écran. Donc ça nous ferait un chapitre et demi, donc une prochaine vidéo. Donc c'est parfait. En espérant que je vais pouvoir éteindre la vidéo. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc sûrement ça sera la dernière ou alors l'avant-dernière. Et on verra enfin le dénouement final de ce jeu très sympathique qui est The Turing Test. Donc, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.